أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك لنا في جمعنا هذا اللهم بارك لنا في جمعنا هذا اللهم بارك لنا في جمعنا هذا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Grâce à Dieu, walhamdulillah, nous voilà à la 13e partie de Sourate Al-Fatiha. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous aide jusqu'à la fin. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Allah Azza wa Jalla nous dit que ceux qui cherchent la concurrence dans le bien, qu'ils partent en concurrence. Nous allons bientôt partir vraiment dans une grande concurrence, celle de Ramadan, qui approche à grands pas, subhanallah. Nous allons nous concurrencer les uns les autres au niveau du Qur'an, au niveau des prières, au niveau, non pas de la cuisine, hein, au niveau du dhikr, au niveau des durus, au niveau de notre relation avec notre Coran, avec notre dhikr, avec notre prière et aussi notre relation avec Allah Azza wa Jal. Et qui dit relation avec Allah Azza wa Jal dit aussi la relation avec les êtres humains. Et je dis bien les êtres humains, c'est-à-dire les musulmans et les non-musulmans. Subhanallah, nous devons améliorer notre comportement envers les autres. Ça n'est pas évident, subhanallah. Et la meilleure des bonnes actions, nous a dit le prophète, était celui qui avait le meilleur comportement. Akmalukum imanan, ahsanukum khuluqa. Ceux qui ont la foi la plus complète, c'est ceux qui ont le meilleur comportement. C'est pas évident, subhanallah. En dehors de la maison, on est dans les apparences peut-être. Et puis à la maison, on n'est plus dans les apparences. On est vraiment des personnes réelles. Et comme le musulman, il doit aspirer justement à ce paradis, il espère accéder à ce paradis, à savourer les moments dans ce paradis, et il doit tout faire, subhanallah, je vous avais expliqué, hein, ça a été notre premier dars, l'âme du croyant après la mort, et on avait cité les premiers versets de Surat al-Mulk, le royaume d'Allah Azza wa Jal, Mulkullah, et on avait mentionné les versets 2 et 3, subhanallah, où Allah Azza wa Jal nous disait Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah Azza wa Jal nous dit il a créé la mort et la vie pour nous tester quel est celui parmi nous qui œuvrera le mieux. Vous voyez, subhanallah, il a lié la mort et la vie à la bonne action, au bon comportement, à la meilleure œuvre. La meilleure œuvre, ça n'est pas uniquement de donner aux autres, d'accord, de montrer aux autres. La meilleure œuvre, c'est notre relation avec Allah Azza wa Jal, l'améliorer. Quand elle est ancrée, cette relation, quand on savoure l'intimité avec Allah Azza wa Jal, on ne peut pas faire de mal à autrui. Notre comportement va suivre avec les autres, qu'on soit en privé ou en public, subhanallah. Notre relation, donc, avec le sacré doit être sacrée, subhanallah. On avait évoqué la semaine dernière le moment du bassin, al-hawd, hawdun nabi, sallallahu alayhi wa sallam, avec, vous savez, cette grande et dure épreuve qu'était le jugement, la balance, le jugement, subhanallah. Allah a décidé où est-ce qu'on allait, que ce soit au paradis ou en enfer. Et pour nous récompenser, c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal a décidé ainsi, comme pour nous récompenser de cette dure épreuve, on devait passer par le bassin du prophète, alayhi salatu wassalam, Hawd al-Nabi, pour y boire
de cette eau qui est bénie par Allah Azzawajal. Donc, une fois passé par le bassin, il y aura, Inch'Allah, le pont Sirat qui nous attend. Le pont Sirat, tout le monde va y passer. Qu'on soit musulman, croyant ou non croyant, ou qu'on soit hypocrite, toutes les créatures, tous les êtres humains, vont passer par ce pont Sirat. On avait décrit, subhanallah, ce pont qui était assez dur quand même à franchir, ça n'est pas évident, subhanallah, mais celui dont la lumière éclairera le plus aura le plus de facilité pour franchir ce pont, subhanallah. Donc vous voyez que, encore une fois, quand on revient sur Surat al-Mulk et quand on revient au pont, ce sont nos actions, nos bonnes actions qui vont nous emmener au paradis, nous faciliter le jugement, nous faciliter la traversée du pont, nous faciliter, subhanallah, l'ouverture des portes de ce grand et magnifique paradis. J'avais parlé du pont, mais je n'avais pas parlé de l'Qantara. Ça a été évoqué un petit peu après. Al-Qantara, on l'appelle comme ça. Al-Qantara, c'est un pont comme le pont Sirat. D'accord ? On le dit en arabe, Al-Qantara. Hein ? C'est un pont. Hein ? Voilà. Donc Al-Qantara, c'est aussi un autre pont. Les savants sont unanimes pour confirmer l'existence de ce pont. Mais ils vont diverger sur le lieu où se trouve son pont. Ce pont, pardon. D'accord ? Et aussi, est-ce que c'est la continuité ou non du pont Sirat ? Est-ce qu'une fois arrivé à la fin du pont Sirat, il y a le pont qu'on appelle Al-Qantara ou non ? Donc, soit c'est la continuité du pont Sirat, soit c'est un pont indépendant du premier pont. La différence est que le pont Sirat va être traversé par tout le monde, le croyant, le non-musulman, Al-Kafir, et l'hypocrite. Le pont Sirat, tout le monde le traverse, sans exception. Et le but du pont Al-Qantara, c'est de distinguer les gens qui obéissent à Dieu et les gens qui désobéissent à Allah Azza wa Jalla. Peu importe où est-ce qu'il se trouve, est-ce qu'il est dépendant ou indépendant, sachez qu'Allah va faire la différence même sur le pont. Vous voyez, subhanallah, ce sont nos bonnes actions, encore une fois, qui vont nous faciliter l'arrivée au paradis. Rien n'est joué, subhanallah, encore. Hein. Il va falloir, avec difficulté peut-être ou non, passer sur le pont Sirat. Al-Qantara, qui est un pont, donc seuls les gens qui ont la promesse du paradis, une fois le jugement passé, vont accéder à ce pont, vont le traverser et arriver au paradis. D'accord ? Donc ceux qui ont eu la promesse d'entrer au paradis. Et certains savants disent qu'il y a sept voies, comme s'il y avait sept kantara, d'accord, sept voies dans ce pont. Vous savez, c'est un peu comme l'autoroute. Parfois il y a quatre voies, parfois il y a trois voies. Subhanallah, sur le kantara, il y aura sept voies. D'accord. Et ces sept voies, subhanallah, Allah il va nous interroger sur sept bonnes actions. La première, ce serait la foi. Est-ce qu'on a une foi solide ? Est-ce que c'est une foi où il y a un doute ? Est-ce que, oui, subhanallah, même ça, on va encore une fois être interrogé. Sur la zakat, zakat al-mal, zakat al-fitr, zakat al-ramadan, qui va arriver, subhanallah, zakat al-fitr, c'est pour ramadan, zakat al-mal, c'est selon nos revenus. Hein? Il y a un minimum, si on a mis de côté pendant un an, je ne sais plus exactement quelle est la somme exacte, mais c'est à peu près 3000 euros. Voilà, à peu près. Si on n'a pas touché à cette somme durant 12 mois consécutifs, on doit donner la zakat, donc 2,5. Alors, sachez qu'il y a Zakat France hein, qui collecte cette zakat et qui la redistribue aux nécessiteux, aux pauvres. Donc, la foi, la zakat, le jeûne,
le jeûne. Est-ce qu'on a rattrapé notre jeûne? Est-ce qu'on l'a fait avec sincérité? Est-ce qu'on l'a fait avec crainte? Voilà, ça va être des questions. Le pèlerinage, pour ceux bien sûr qui ont pu, alaykoum salam wa rahmatullah, qui ont pu faire le pèlerinage, et ceux qui pouvaient faire le pèlerinage mais qui n'ont pas choisi de le faire, subhanallah, alors qu'ils en avaient les moyens. Sachez que ça reste quand même une obligation, le pèlerinage, subhanallah, pour celui qui en a les moyens. Donc laissez tomber les vacances. Si vous avez au moins 5000 euros pour vous, partez en, au Hajj, c'est une obligation. Ça reste vraiment une dette envers Allah Azza wa Jal. Sur les ablutions et les grandes ablutions, est-ce qu'on fait correctement nos ablutions? Est-ce qu'on triche avec Allah? Est-ce qu'on fait nos grandes ablutions? Est-ce qu'on triche avec Allah Azza wa Jal? Et le plus dur, ça sera le mal qu'on aura fait aux gens. Parfois, on ne se rend pas compte, une parole, un geste, hein, ça peut avoir des conséquences et on va être interrogé là-dessus. Certains savants se sont interrogés au sujet de ce pont qui arrive en fin de parcours. Hein, ils se sont posé la question. Sachez que le prophète, alayhi salatu wasalam, nous dit, d'après Saïd al-Khudri, sa hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu salam nous enseigne une chose. Les croyants seront sauvés du feu de l'enfer. Ça y est, ils sont sauvés. C'est ça le but du pont Sirat. C'est que tu es croyant, alhamdoulilah, tu es sauvé. Tu n'es pas croyant, c'est-à-dire hypocrite ou non musulman, tu vas tomber dans le feu de l'enfer. Ils seront arrêtés sur un pont. Il dit, hein, en arabe, il dit, ils seront arrêtés sur Al-Qantara. Entre le paradis et l'enfer. Lorsqu'ils se seront purifiés de leurs injustices, ils pourront accéder au paradis. L'injustice qu'on aura commise envers les autres humains, envers les croyants. On a parlé sur un croyant, on a eu de la rancœur sur un croyant, on a eu de la colère envers un croyant, subhanallah. Eh bien, on doit se purifier. Regardez la symbolique, hein. C'est comme si Allah Azza wa Jal nous disait, tu veux accéder au paradis? Enlève tout ce qu'il y a dans ton cœur. Les petites taches noires. Pas les taches noires des péchés. Les taches noires, la colère, la jalousie. Voilà, le fait de ne pas accepter le destin d'Allah. C'est quoi la jalousie? La colère, c'est de ne pas aussi accepter le destin d'Allah Azza wa Jal. Allah, il nous a dit dans les 6 piliers de la foi, d'accepter le bon et le mauvais destin. On ne peut pas envier les autres, d'accord? Il faut se corriger soi-même, il faut avancer, subhanallah, et cheminer vers Allah, azza wa jalla. La rancœur quand on garde dans notre cœur. Hein? Ah, j'ai patienté, j'ai accepté, mais là j'en peux plus. D'accord? Mais Allah azza wa jalla nous dit, avant d'entrer au paradis, vous ne pouvez pas rentrer avec quelque chose. Allah, il le dit, وَنَزَعْنَ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ. Et nous avons enlevé de ce qu'il y avait dans leur poitrine de la rancœur et de la colère. On ne peut pas. Ça, c'est vraiment un message pour nous, c'est-à-dire sur terre, tu ne dois pas avoir cette colère et cette rancœur envers ton frère et ta sœur en Dieu. Hein? Même nos frères et nos sœurs de sang, on ne doit pas en avoir. Même envers nos parents. Parce que ça nous alourdit, ça nous affaiblit, ça nous fatigue. On a du mal à cheminer, à avancer. Évoquer le paradis est l'un des plus grands objectifs de notre vie. Mais dans l'au-delà, c'est un des plus grands objectifs aussi. On verra qu'il y a un autre objectif, subhanallah. En tout cas, c'est un grand objectif dans notre vie et surtout la vie du croyant, celui qui veut aspirer à s'élever, à cheminer, à se rapprocher de plus en plus d'Allah Azza wa Jal. Évoquer le paradis ne veut pas dire fuir la réalité. C'est important de le dire, subhanallah. On ne fuit pas la réalité pour vivre ou penser au paradis. Allah, il ne nous dit pas « pense au paradis et puis reste dans ta difficulté, ne te réconcilie pas avec les autres ». Et ce n'est pas fuir le monde
visible pour aller vers le monde invisible. Subhanallah. Le croyant, il doit être entre les deux. Et il doit se dire qu'évoquer le paradis, c'est trouver une solution à nos épreuves grâce au paradis. Pourquoi ? Allah Azzawajal nous dit dans Surat Qaf, versets 31 à 33, « Le paradis sera rapproché de ceux qui craignent le Seigneur. Et il sera dit à ces derniers, « Voilà ce qui vous était promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir. » Notez bien les mots, enregistrez le verset, subhanallah, je vais continuer. Voilà ce qui vous était promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute le miséricordieux en secret et qui revient à lui d'un cœur attendri par le repentir. Surat Qaf, versets 31 à 33. Allah nous dit le paradis sera rapproché. Comment il sera rapproché de nous ? Allahu a'lam. Seul Allah sait. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se dire que le paradis va se déplacer pour nous. Pourquoi ? Le paradis sera rapproché de ceux qui craignent le Seigneur. Ils ont la crainte d'Allah Azza wa Jal, où qu'ils soient. On ne peut pas craindre Allah en public et l'oublier en privé. On serait hypocrite. Souvenez-vous, l'hypocrite, Allah, il va lui donner une lumière. À peine il aura franchi le pont Sirat, cette lumière s'éteint. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu tromper Allah Azza wa Jal sur terre. Et Allah leur a promis de les tromper dans l'au-delà. Et il sera dit à ces derniers, « Voilà ce qui vous était promis. » Alhamdulillah, la promesse est là. Hein ? On l'attendait, cette promesse du paradis. Ainsi qu'à tout homme plein de repentir. Encore une fois, l'importance du repentir, de revenir à Dieu. On peut revenir à Dieu, on peut tomber, mais l'essentiel c'est de se relever à chaque fois. De ne pas se dire, ah, moi j'ai l'habitude de tomber, je vais tomber, je continue à tomber, je reste par terre, je m'écroule. Le musulman il n'est pas comme ça. Le musulman il se dit, même si je tombe, je me relève tout de suite, mais tout de suite. Parce que si on tarde à se relever, on va s'écrouler réellement. Ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines. Les gens qui auront accès au paradis, ils craignent Allah, ils demandent pardon régulièrement à leur Seigneur, et troisièmement, ils ne dépassent pas les limites d'Allah. C'est pour ça qu'on dit dans Surat al-Fatiha « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». Seul toi nous adorons. Ya Allah, on t'adore. Tu nous as imposé tes ordres, nous les respectons. Mais nous les respecterons que si seulement toi, tu nous aides à les respecter. Ya Allah, il t'aidera que si ça vient de ton cœur. Allah, il guide celui qui veut être guidé. Pas Allah, il guide, ah tiens, toi je te guide, toi non, toi oui. C'est pas ça le verset. Allah, il ne dit pas ça. Allah, il dit man yasha. C'est nous, si on veut être guidé, on veut aller vers Dieu, Allah à ce moment-là nous guidera. Mais il ne sélectionne pas, c'est pas la pioche. Donc, la crainte d'Allah, le repentir, le respect. Des obligations d'Allah Azza wa Jal. Ramadan va arriver, ça tombe en plein été et pour certains c'est très difficile de jeûner. Qui redoute le miséricordieux en secret. Ils craignent Allah Azza wa Jal, ils craignent Rahman en secret. En public, c'est facile. Plus dur c'est en privé, quand on arrive à la maison. Quand la porte est fermée, à clé. Et qui reviennent à lui d'un cœur attendri par le repentir. Donc on commence par le repentir et on finit par le repentir. Vous comprenez l'objectif du repentir ? C'est de se sentir tout petit. Et on parviendra à la crainte.
et on parviendra à respecter la loi d'Allah, les obligations qu'Allah nous a imposées, seulement si on revient à Allah, on lui demande pardon. Plus on demande pardon, et plus notre cœur s'attendrit, et Allah nous donne la facilité, nous offre la facilité, et il envoie sa rahma sur nous. Mais il faut que ça vienne surtout de nous. Donc, le paradis va se rapprocher des croyants comme pour honorer les croyants. Subhanallah. Regardez ce grand honneur qu'Allah nous fait. Il le fera à chacun de nous s'il nous offre le paradis. Allah nous dit dans le verset 34, « Entrez-y en paix, c'est le jour de l'éternité. » Entrez-y en paix, ça y est. La paix arrive, la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix du corps aussi, subhanallah. Plus de soucis, plus d'angoisse, plus de chagrin, plus de peur, plus de tristesse. On entre au paradis uniquement en paix. On ne peut pas être en paix si on a de la colère, de la rancœur envers quelqu'un. Entrez-y en paix, c'est le jour de l'éternité. Là, c'est à jamais. C'est vraiment à jamais. C'est pour l'éternité. Et là, Allah nous dit dans le verset 35, « Et là, tous leurs désirs seront satisfaits, bien plus encore. Ils auront auprès de nous beaucoup plus que ce qu'ils espéraient. » Là, Allah nous dit, c'est à volonté, sans limite, ce que vous n'avez jamais imaginé. Il se présente à vous, il s'offre à vous. Allah il nous dit bien plus encore, venant d'Ar-Rahman, c'est... on restera bouche bée. Et regardez, subhanallah, la suite arrive. Donc, avec Allah, il n'y a pas de limite. Tout croyant qui œuvre dans le bien, subhanallah, tout croyant qui œuvre dans le bien, quel que soit, on avait dit, la balance, elle pesait même l'atome, hein, subhanallah. N'oubliez pas cet élément. Tout croyant qui œuvre dans le bien, le paradis va s'approcher de lui. Il viendra vers lui. Et à nous de s'en approcher sur terre en choisissant As-Sirat al-Mustaqim. As-Sirat, Allah il a dit le chemin. C'est-à-dire, j'ai défini un chemin, vous devez respecter ce chemin. Vous prenez un autre chemin, vous êtes sorti du chemin. Le prophète alayhi salatu wasalam nous dit une très belle chose. Retenez bien ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le paradis est encore plus proche de vous que vos deux chaussures. Alors, chacun regarde ses chaussures, ses pieds. Le paradis est encore plus proche. Et il ajoute, et l'enfer aussi. Alors, imaginez, subhanallah, ça veut dire, il est là, il nous attend. Tu fais un khir, le paradis t'attend, la porte elle est ouverte. Tu fais un char, la porte aussi de l'enfer, elle est là. Il est magnifique ce hadith. Nous on pense que c'est pour les autres, c'est loin, c'est dans l'au-delà, c'est... Et le prophète A.S.A.W. nous dit, je le répète, le paradis est encore plus proche de vous que vos deux chaussures. Et l'enfer aussi. Donc vous voyez que Allah Azzawajal aussi nous a facilité les voies vers le paradis. Il y a plusieurs voies qui nous mènent vers le paradis. Il y a la porte du Coran, la voie du Coran, il y a la voie des assises. Peut-être qu'Allah Azzawajal vous offrira le paradis parce que vous avez, votre cœur était attaché à ces assises. Dans le hadith Qudsi, Allah il nous dit ceux qui, leur cœur est attaché aux mosquées. Hein? Peut-être en étant attaché aux assises, hein, Allah il vous offrira ce paradis puisque c'est un jardin. Rawdam Riyad al-Janna, c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Ces cercles-là, le prophète A.S.A.W. nous dit, les assemblées où on mentionne Allah, c'est un jardin des jardins du paradis. Rawdam Riyad al-Janna. Nous sommes dans une rawda ici. Il n'y a pas que celle où, quand on se déplace à Médine, où il y a Rawdat al-Nabi, alayhi salatu wasalam. Là aussi, c'est une petite rawda. Je ne compare pas notre rawda à celle du prophète, alayhi salatu wasalam, dans sa mosquée. Je dis qu'ici, c'est un lieu du paradis.
Il y a la voie de Ramadan, la voie du jeûne, il y a la voie de sadaqa, il y a la voie, subhanallah, de pardonner aux autres. Ça aussi, c'est une voie. Hein? C'est une voie, souvenez-vous, de ce compagnon qui va rentrer à la mosquée. Le prophète, a.s., durant 3 jours, il dit à ses compagnons, un homme va entrer dans cette mosquée et il fait partie des gens du paradis. Vous connaissez la suite. Un jeune compagnon se déplace. Il trouve une excuse pour passer la nuit chez lui, pour l'observer, se dire qu'est-ce que ce compagnon fait de plus, peut-être, que moi je ne fais pas et qui lui vaudra le paradis. Spain, il n'a rien vu de si particulier. Et à la fin, quand il discute avec cet homme promis au paradis, cet homme lui dit, quand je vais aller dans mon lit pour dormir, je dors sans rancœur. Je ne suis ni en colère contre un tel ou un tel ou un tel ou un tel ou un tel. Mon cœur est pur envers les gens. Vous voyez, subhanallah, il se sent léger, il est dans un paradis déjà. Parce que celui qui est rongé de l'intérieur, il m'a fait, il a dit, et pourquoi, et tu te rends compte, et mon honneur, et je ne sais quoi. Laissez les gens parler, subhanallah. Donc il ne faut pas oublier que le repentir est nécessaire, subhanallah, dans la vie de tous les jours, parce que le repentir, il nous aide, même dans nos bonnes actions, parce que parfois on fait des bonnes actions, et l'intention, le shirk qui va rentrer, l'ostentation, on a vu, hein, toutes ces maladies du cœur, on le fait pour qui finalement? On le fait pour qu'on dise, mashallah, elle a fait, il a fait? Rien, l'ostentation. Ça, c'est important, même dans les bonnes actions, il faut être prudent. Vérifier son intention avant de faire, pour qui on le fait, pendant, on ne sait jamais si quelque chose ou quelqu'un nous a perturbé, et après, de se dire, est-ce que je l'ai réellement fait pour Dieu? Toujours se remettre en question, subhanallah. Le prophète, a.s., faisait une très belle dua, « Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal » Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a honoré dans les cieux et sur terre, souvenez-vous, avant qu'il ne soit réellement prophète et messager, quand il montait dans la grotte à Hira, subhanallah, il entendait Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Lorsqu'il va recevoir la révélation, il dit à Jibril, j'entendais des Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. C'était quoi ce salam? Il lui a répondu en lui disant, tu sais, ya Rasulallah, quand tu montais dans la grotte Hira, les pierres, la végétation te passaient le salam. Oui, subhanallah. Eh bien, cet homme, ce grand homme, ce bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même faisait dua, Allahumma inni as'aluka al-janna, ya Allah, je te demande de m'accorder le paradis. Et je te demande aussi de faire en sorte, et je te demande, ya Allah, wa ma qarraba ilayhi min qawlin aw amal, et de faire en sorte de me rapprocher de tout ce qui peut justement m'accorder le paradis par une parole ou par une bonne action. Vous voyez, il a demandé le paradis, certes, mais il a demandé aussi l'aide d'Allah de le rapprocher vers toute parole ou toute bonne action qui lui faciliterait l'entrée au paradis. Le croyant, il vit apaisé malgré les épreuves. Il doit vivre comme ça, il doit vivre apaisé malgré les épreuves. La perte d'un être cher, un enfant peut-être désobéissant ou malade, un conjoint malade ou peut-être qui ne travaille pas, une famille où tout le monde est brisé, subhanallah. La relation, elle est caduque, parfois elle est... Voilà, il n'y a peut-être pas de lien. On est tous éprouvés financièrement, matériellement, subhanallah. On est éprouvés aussi dans notre foi. Il y a des sœurs, subhanallah, elles me disent, je suis montée, et puis boum, je me suis écroulée. C'est une épreuve, mais Allah, il te dit, réfléchis sur ton épreuve, subhanallah. Ça peut nous arriver à tous, c'est comme le temps. Il va faire froid, d'un coup, on ne comprend pas. Puis après, tout doucement, la pluie, le beau temps, subhanallah, c'est comme ça. Notre foi, elle est pareille, comme le temps. Donc, le croyant vit apaisé malgré les épreuves. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit une chose, une très belle chose, subhanallah. Toutes les affaires du croyant sont un bien pour lui. Tout ce qui lui arrive, c'est un bien. Tout, 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 tout.
Lorsqu'il reçoit une bonne nouvelle, il remercie Allah et cela est un bien pour lui. Un enfant qui a réussi, l'achat d'une voiture, hein, l'annonce d'aller faire une umra, subhanallah, alhamdulillah, il dit alhamdulillah. Et lorsqu'il est touché par un mal, il patiente. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et cela est aussi un bien pour lui. Et il ajoute, c'est ça le plus beau, et ceci ne concerne que le croyant. Tout est un bien uniquement pour le croyant. Quand un bien le touche, il dit alhamdulillah. Quand un mal il arrive, il patiente. Voilà le comportement du croyant tous les jours. Je dis alhamdulillah et je patiente. Qu'est-ce qu'on médite dans la Fatiha? On la commence comment? Déjà par Bismillahirrahmanirrahim, avec le nom d'Allah. Ça veut dire avec l'aide d'Allah. Je commence tout avec l'aide d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comment dans chaque prière je mentionne cette louange, j'évoque cette louange, et dans l'épreuve, dans le concret, je n'arrive pas à dire Alhamdulillah. Je n'accepte pas l'épreuve. Une femme pieuse un jour a ri. Elle n'a pas souri, elle a ri, d'accord, du verbe rire, lorsqu'elle a été touchée par une dure épreuve. Les gens autour lui ont dit, tu ris alors qu'un mal t'a touché, subhanallah. Et elle dit, j'ai oublié l'amertume de mon épreuve lorsque je me suis souvenue de la saveur de la récompense. J'ai oublié l'amertume de mon épreuve lorsque je me suis souvenu de la saveur de la récompense. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. J'ai une épreuve, tout de suite. Eh bien, Allah, il va me récompenser. Allah, il veut m'élever. Allah, il veut m'effacer mes péchés. Allah, il veut que je me rapproche de lui. C'est ça l'objectif d'une épreuve, pas plus. Hein? Dans un autre verset, Allah nous dit... Nous ne t'avons pas révélé ce Coran pour que tu vives, oui, que tu vives dans la tristesse. Elle a oublié ses soucis en se rappelant la récompense d'Allah. Et le plus haut degré de la foi, c'est de se dire, je ne peux pas aimer mon Seigneur en échange toujours d'une récompense. C'est les bons points. T'as été sage, t'as réussi, je te donne quelque chose. On doit arriver à ce stade où de se dire, subhanallah, quand Allah il me donne une épreuve, c'est pour uniquement me rapprocher de lui. Ne pas se dire, ah tiens, j'aurai le paradis, j'aurai des hasanat, etc. Certes, ça c'est une promesse d'Allah. On ne peut pas dire quelque chose contre ou s'opposer. Mais de se dire, c'est pour m'élever. C'est pour qu'il soit satisfait uniquement de moi. C'est ça qu'on doit rechercher. Allah nous dit « Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah » Ceux qui ont porté la foi dans leur cœur. Et qu'en se souvenant d'Allah, ils sont apaisés. Comme nous en ce moment, alhamdoulilah, on est apaisés. En plus, il y a la présence des anges. Hein, et la sérénité est en train de descendre sur nous. Allah il nous pose une question. N'est-ce pas par le souvenir d'Allah que les cœurs s'apaisent? Nous, on va aller chercher dans les médicaments, dans le téléphone, dans... D'accord? Le dhikr. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, il-azim. Ce sont des paroles qu'Allah aime, qu'Ar-Rahman aime. De dire alhamdulillah tamla'u al-mizan. Vous voyez toutes ces petites choses, de dire la ilaha illallah, rafraîchir la foi, subhanallah, de réciter le Fatiha cette fois, ça va apaiser aussi nos cœurs, de chercher toujours la voie de la spiritualité, se souvenir d'Allah. Allah, il nous pose une question, à chacun d'y répondre. Vous savez, par l'argent, les poches, les comptes en banque se rassurent. Il y a de l'argent, on est bien. Par la nourriture, les ventres aussi sont rassasiés. Pendant Ramadan, si le chariot est plein, on est content.
Et par le mariage, les besoins naturels aussi sont satisfaits. Tout le monde aspire à ça, d'accord? Eh bien, il faut savoir une chose, que les cœurs aussi s'apaisent par le souvenir d'Allah. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, il-azim, la ilaha illallah, alhamdulillah, la lecture du Coran. Il faut se réformer, subhanallah, il faut évoluer, cheminer vers Allah, se dire toujours la voie de la spiritualité, c'est une voie qui est pleine de lumière et c'est une voie qui nous facilite la proximité avec notre Seigneur. Et le plus grand plaisir sur terre et dans l'au-delà, c'est le paradis. D'accord ? Le plus grand bonheur, disent certains pieux, c'est la compagnie intime d'Allah. On l'a vu, hein, dans Surat Qaf. D'accord ? Allah nous dit ceux qui redoutent le miséricordieux en secret. Donc ils passent des moments intimes avec leur Seigneur. D'appliquer les versets d'Allah, les prescriptions divines, d'accord ? Les obligations. Savourer sa foi par le souvenir d'Allah, le fait d'aimer les autres pour Dieu. Combattre son nafs. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur, un cœur saint. Il n'y a pas de rancœur, de colère, de jalousie, de haine, etc. Et le plus grand bonheur aussi, c'est de désobéir au diable. De dire à le blâme de Shaitan Marajim, de se dire qu'il veut m'inciter à prendre l'autre voie, la voie qui nous fait sortir du droit chemin. Le paradis de l'au-delà, il faut savoir une chose, c'est qu'il démarre, il débute par le paradis sur terre. L'imam Ibn Taymiyyah, écoutez, hein, subhanallah, l'exemple de ce grand imam, il a été emprisonné à Dimashq, hein, à Damas, dans la prison qui s'appelait Al-Qala'a. Ibn al-Qayyim, donc un de ses élèves, il raconte et il dit « Lorsque la vie était obscure et difficile et que nos âmes étaient compressées, on partait rendre visite à Ibn Taymiyyah en prison. » Parce qu'à l'époque, c'était assez dur, hein, c'était une grande épreuve pour les croyants. En le voyant, on était déjà heureux. Subhanallah. Nour, la lumière qui se dégage du visage des gens, c'est la lumière de l'obéissance à Allah. Vous ne pouvez pas voir cette lumière sur quelqu'un qui désobéit à Dieu, c'est impossible. Ibn Taymiyyah disait, le prisonnier est celui dont ses passions l'ont emprisonné. Les passions, l'argent, les vêtements, la mode, suivre les autres, etc. Tout ce qui nous éloigne d'Allah Azza wa Jalla. Et le captif, vous savez, quand on emploie le terme de captif, c'est captif de guerre, c'est-à-dire quand il y a une guerre, eh ben, on capture des personnes en échange de rançon. Et le captif est celui dont son diable l'a capturé. Donc on est censé aller en guerre avec Shaitan, puisque lui, il est en guerre avec nous. Il a déclaré la guerre quand Allah lui a demandé de se prosterner devant Adam et qu'il a refusé. Le captif est celui dont son diable l'a capturé. Celui qui a... Allah Azza wa Jal nous dit « وَمَنْ يَعَشُوا عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ » Celui qui s'éloigne du souvenir d'Allah « نُقَيِّذْ لَهُ شَيْطَان » Nous lui envoyons un shaytan « فَهُوَ لَهُ قَرِينَ » Et il devient son compagnon. Ce verset doit nous faire trembler, d'accord ? Parce que celui qui s'éloigne du rappel d'Allah, de l'obéissance à Allah, il a cherché lui-même le fait d'avoir un shaitan qui le tourne autour. Alors tous ces gens, donne-moi le numéro d'un raqi, donne-moi le numéro d'un raqi, la raqia, faites-la vous-même, le repentir, la salat, s'éloigner des passions. Le shaitan, il s'en ira tout seul.
Mais non seulement on s'éloignait du souvenir d'Allah, ce shaitan il s'est ajouté, subhanallah, et en plus on l'a nourri par nos péchés, par nos passions, et il commence à prendre de la force. Il nous wassoise de plus en plus, et nous on croit qu'on a un djinn. Subhanallah, c'est, il faut se remettre en question et de se dire si vraiment, rare, mais vraiment rares sont les cas de possession, je vous le dis. Par contre, si on s'éloigne de Dieu, Allah il nous dit, je vous envoie un compagnon, c'est le diable. Parce que vous êtes éloigné de moi. Donc, plus on s'éloigne d'Allah, plus on se rapproche du diable. C'est à nous de nous rapprocher d'Allah, de faire un grand repentir sincère et de commencer sincèrement la prière. Donc, Ibn Taymiyyah disait, le prisonnier est celui dont ses passions l'ont emprisonné. Le captif est celui dont son diable l'a capturé. Que peuvent faire mes ennemis contre moi? Mon paradis et mon jardin se trouvent dans mon cœur. Où je vois mon paradis est avec moi. D'accord? Il voit tout le temps son paradis. Où je vais, mon paradis est avec moi. D'accord? Il dit, mon paradis et mon jardin sont dans mon cœur, les deux. Où je vais, ils sont avec moi. Personne ne m'enlèvera ce paradis. Me tuer, c'est mourir martyr. S'ils veulent me tuer en prison, je sais que je vais mourir martyr. M'expulser de mon pays est un voyage touristique pour moi. Ma prison est mon intimité avec Allah. Que peuvent faire mes ennemis contre moi? Oui, subhanallah, il n'est pas tombé dans la dépression en prison. Ceux de l'extérieur qui n'étaient pas en prison, en le voyant, ils étaient apaisés, ils avaient la joie de vivre. Imaginez la scène, hein, subhanallah. Je répète parce qu'elles sont magnifiques ces paroles. Le prisonnier est celui dont ses passions l'ont emprisonné. Le captif est celui dont son diable l'a capturé. Que peuvent faire mes ennemis contre moi? Mon paradis et mon jardin se trouvent dans mon cœur. Où je vais, mon paradis est avec moi. Me tuer, c'est mourir martyr. M'expulser de mon pays est un voyage touristique. Ma prison est mon intimité avec Allah. C'est-à-dire se retrouver dans cette cellule emprisonnée. Eh bien, je savoure les moments intimes avec Allah. Que peuvent faire mes ennemis contre moi? La force spirituelle, la lumière qui se dégage de son cœur. Subhanallah, cette lumière, elle se dégageait d'une telle puissance qu'elle fait venir les gens de l'extérieur pour lui rendre visite. Subhanallah. Vous vous rendez compte? On devient une lumière qui rayonne au-delà des prisons. C'est vous dire, subhanallah, quand on a cette force dans le cœur, cette joie de vivre avec Allah, les épreuves, quand elles arrivent, on les vit parce qu'on sait que le paradis, le vrai paradis, c'est notre intimité avec Allah Azza wa Jalla. Vous voyez que la foi et les bonnes actions ont rendu Ibn Taymiyyah un tel degré de spiritualité. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Ibn Taymiyyah. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu salam nous dit, le jour du jugement, on amènera les gens les plus éprouvés sur terre, les gens du paradis. Et on leur fera visiter, ne serait-ce que quelques secondes, hein, au paradis. On les plonge dans le paradis quelques secondes. Et on leur dira, cher fils d'Adam, as-tu rencontré une quelconque difficulté ou un quelconque malheur sur terre? Et la personne dira, non, je n'ai vécu aucune difficulté, aucun problème, aucune épreuve. Les quelques secondes où il aperçut le paradis lui ont fait oublier tout ce qu'il a vécu sur terre. Subhanallah, ce qui nous attend, c'est magnifique. Ça n'a aucun mot pour décrire ce grand paradis éternel. Vous voyez, subhanallah, juste quelques secondes, ça lui a fait oublier tous les méchakés. Par exemple, 40 années de vie, 50 années de vie, parce que le croyant, il est toujours éprouvé. Hein.
faut se poser des questions. Si on n'a pas des preuves, il faut vraiment se poser des questions. Le croyant sera toujours éprouvé. Il y en a, ils sont éprouvés dans le ventre de leur mère. Depuis le ventre de leur mère jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore éprouvés. C'est pas l'alhamdoulilah. Allah, il a voulu ainsi. Hein? C'est comme ça. Allah, il veut nous élever. Il veut nous offrir ce grand plaisir. Le paradis va se diviser en trois parties. D'accord? Vous allez comprendre. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect visuel, et il y a aussi le plaisir de l'âme. L'aspect physique, ça sera la nourriture, la boisson, le vin, le miel. Le vin sera permis, hein. C'est pas un miel enivrant comme sur terre. Celui qui a goûté, le prophète Al-Sallam nous dit, le vin sur terre ne goûtera pas dans l'au-delà. Le miel, l'eau, le lait, il y aura aussi, concernant l'aspect physique, les vêtements, les bijoux, le hour al-ayn, nous aussi on sera des houris. L'aspect visuel, donc, sur terre, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est beau? Vous avez l'eau, les rivières, la nature, la verdure, les beaux visages, tout ce qui est beau, subhanallah, ça c'est sur terre. Et dans l'au-delà, vous aurez aussi les rivières, les arbres, les fruits, l'aspect visuel, subhanallah. Et dans l'aspect visuel, il y a aussi le visage d'Allah. Rencontrer son Seigneur et voir sa face. Ça fait partie des grands plaisirs de l'au-delà. Et concernant le plaisir de l'âme, parce que nous, on a toujours tendance à se dire on va manger tel fruit, on va manger telle viande, on va être habillé de soie, etc. Le plaisir de l'âme, ça sera le fait de dire adieu à sa tristesse, à son angoisse, à ses malheurs, à ses soucis. Ça va faire partie des plaisirs aussi du paradis, subhanallah. Allah Azza wa Jalla nous dit dans sourate Fatir, et ils diront Alhamdulillah qui a éloigné de nous toute tristesse. Notre Seigneur est en vérité d'une extrême bonté et d'une extrême gratitude. Et dans le verset 35, Allah nous dit « Béni soit-il pour nous avoir installés dans la demeure éternelle où nous n'aurons à connaître ni fatigue ni lassitude. » Donc vous voyez, subhanallah, on va dire adieu à la fatigue, adieu à la tristesse, à l'angoisse, adieu aux comprimés, adieu aux migraines, adieu aux maladies, adieu à la pauvreté, hein, adieu à tous les soucis, subhanallah. Ça sera un moment magnifique pour l'éternité. La lassitude aussi, vous savez, la routine. Parfois, on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. Alors qu'il y a plein de choses à faire. Et ben, au paradis, on aura de quoi s'occuper. Dans un hadith Qudsi, Allah nous dit, il nous parle. Un hadith Qudsi, c'est Allah qui parle. C'est un hadith rapporté par le prophète, as-salam, où c'est Allah qui parle. Allah, béni soit-il, dira aux gens du paradis. Je demande vraiment votre attention là. Chers habitants du paradis, à ce moment-là, les habitants vont répondre, nous voici Seigneur, par ta grâce, le bien est entre tes mains. Oui, subhanallah, quand on dit l'hamdulillah, la grâce d'Allah, le khir, il est toujours entre les mains d'Allah. Allah dira, êtes-vous satisfait? Et les habitants du paradis répondront, et comment ne pas être satisfait alors que tu nous as accordé ce que tu n'as accordé à aucune de tes créatures. Comment, ya Allah, on ne peut pas être satisfait? Comme s'il disait, ya Allah, pourquoi tu nous poses cette question? On est satisfait de ce que tu nous as donné. Et Allah dira, voulez-vous quelque chose de meilleur? J'ai pas encore décrit le meilleur. Hein? J'ai pas encore décrit ce qu'il y avait dans le paradis. J'ai juste fait une introduction. C'est pour vous donner, subhanallah, l'envie de découvrir ce qu'il y a au paradis et l'envie de savourer le meilleur. Et Allah dira, c'est de vous combler par ma satisfaction et de ne plus jamais me mettre en colère contre vous. Voilà la plus grande satisfaction, le plus grand bonheur. C'est pour ça qu'on dit dans Surat al-Fatiha, « غير المغضوب عليهم » Et Allah, ne fais pas de moi, ne fais pas de nous des gens qui
Voilà, dont tu es en colère contre eux. Voilà, dalin de ceux qui sont égarés. Subhanallah, celui dont Allah est en colère contre lui, il n'aura pas le paradis. Le sirat sera difficile. Il ne rencontrera pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa vie sera obscure. Il ne sera pas apaisé. Je répète, c'est de vous combler par ma satisfaction et de ne plus jamais me mettre en colère contre vous. Savourez ce paradis. Vous avez ma satisfaction. Vous comprenez maintenant l'importance de Sourate al-Fatiha? C'est pour arriver à ce point final. Qu'Allah soit satisfait de nous. Que ce soit sur terre et surtout dans l'au-delà. Subhanallah. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا وأشط لا ما فيه يكفي اللظى في حشايا رحمك يا رب إني وزور طيب الخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا